Sur 15-20 minutes au départ, où je pense qu'on joue mal les situations. Voilà, on a certains coups de pied arrêtés aussi qu'on tient bien, mais voilà, on n'arrive pas à marquer pendant notre temps fort. Et après, bah, ils ont pas mal de situations franches. Voilà, où à un moment donné, notamment après leur premier but, je trouve qu'on se déséquilibre un peu trop vite. Voilà, peut-être qu'on a envie de revenir, peut-être que je ne sais pas. Voilà, mais on a subi quelques occasions franches de leur part sur la première mi-temps, et puis en seconde mi-temps. Donc voilà, après l'avoir marqué, je pense que les changements nous ont fait du bien. On a ramené de la fraîcheur et puis on est revenu dans le match. Voilà, la surprise de beaucoup. Voilà, donc déçu, oui, déçu, parce que voilà, on aurait bien voulu aller au moins jusqu'au pénalty, parce qu'à 2-2, sauf pour un but dans le temps additionnel, ça fait toujours mal, mais sur l'ensemble du match, c'est mérité. Ouais, top victoire, elle est un peu gâchée sur la fin, même si elle est belle au final, puisqu'on n'a pas lâché et on a marqué le dernier but à la toute dernière seconde. Mais on s'est rendu le match difficile, puisqu'on avait une grande maîtrise, on a mis 15 minutes à rentrer dans le match, et ensuite on a eu une maîtrise collective qui nous a permis de nous créer des situations et des occasions, de nombreuses. En première mi-temps, on aurait déjà pu mener de 2 ou 3-0, je pense, avec un peu plus de justesse. On ouvre le score, on mène 1-0 à la mi-temps. Ensuite, en deuxième, on repart avec les mêmes intentions, des récups hautes, un bon pressing et encore beaucoup de situations de marquer. On marque un deuxième but à un quart d'heure de la fin. Et eux, ils n'ont pas trop existé sur la deuxième mi-temps. Et on leur permet d'exister sur une erreur de cadrage, sur un manque d'agressivité défensif. Et on les remet dans le jeu, et la coupe, on sait ce que c'est. Un but et on va au péno, bah c'est ce qui s'est passé. Ils ont poussé, on fait encore une erreur de placement et on leur permet de marquer le deuxième but. Mais j'ai aimé vraiment la réaction des garçons, parce qu'on aurait pu avoir la tête basse, être dans un moment difficile. Et ils ont refusé d'aller au pénalty, et on a poussé, on a continué. Et sur la dernière occasion, on marque un beau but en plus de la part de Kevin. Donc je pense que la victoire est largement méritée. Même si au final le 3-2, on pourrait croire qu'elle est compliquée, mais ça n'a pas été le cas pour moi. C'est la première fois que vous accédez au 7e ou pas ? Non, le club a déjà été au 8e tour contre le Havre. Voilà, le but, c'est de réussir à continuer les tours et essayer à notre tour de rentrer dans l'histoire du club. Parce que pour l'instant, ce que a réussi le club, c'est vraiment incroyable. Et on a envie aussi à notre tour de mettre notre nom dans l'histoire. Et au prochain tour, tu veux un gros, un petit, un moyen ? Ouais, pour l'instant, on n'a pas eu beaucoup de chance au tirage. Maintenant, on prendra ce qu'on aura. On aura les dents longues, puisqu'on est déterminé. C'est un objectif qui était au départ de groupe. Maintenant, ça va devenir un objectif de club, puisque la coupe permet de rassembler, de fédérer autour d'une équipe. Et j'espère qu'on aura au moins la chance de recevoir pour faire une belle fête chez nous et être prêt, pourquoi pas, à accéder au 8e tour.